j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau haul. On adore les nouveaux hauls. Et cette vidéo sera en collaboration. Vous savez que je n'arrive pas à dire collaboration, c'est collaboration. Avec la marque Igraal. Alors qu'est-ce que c'est Igraal pour ceux qui ne connaissent pas? C'est un site, une extension, une application de cashback. Et ça va vous rembourser une partie des achats que vous faites sur internet. Ils ont plus de 1700 marchands qui sont en collaboration avec Igraal. Et il n'y a pas que de la mode et de la beauté, vous avez aussi comme les courses en ligne. Moi je fais mes courses en ligne sur Auchan Drive et j'utilise beaucoup Igraal pour ça. Comment cela fonctionne-t-il? Moi je vous conseille de télécharger, je vous mettrai le lien, l'extension Igraal. Pourquoi? Parce qu'au moins quand vous allez commander, vous n'êtes pas obligé d'aller sur le site Igraal, etc. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Par exemple, sur le site ASOS, vous avez craqué, voilà, un petit peu comme moi aujourd'hui. Vous faites votre commande et grâce à l'extension d'Igraal, vous avez des codes promo et en plus, voilà, directement le cashback. Et tac, sur ton compte, tu as genre ASOS par exemple, c'est 4% en ce moment. Hein, après, ça change, ça varie. Et donc voilà, franchement, c'est plutôt cool. Et grâce au lien que je vous ai mis en barre de description, donc c'est un lien de parrainage, quand vous inscrivez en fait sur Igraal, vous avez normalement droit à 3€ gratuit comme ça, mais grâce à mon lien vous avez droit à 10€. Ça fait plaisir. Tu auras déjà quand même 10€ sur ton compte et après si tu commandes assez souvent tu verras que ça monte assez vite, tu vois. Et quand tu auras 20€ sur ton compte, tu pourras te faire un virement bancaire ou sur PayPal comme tu veux. D'ailleurs, petit conseil, moi c'est ce que je fais, vu quand même que c'est des petites sommes par petites sommes, moi je te conseille de pas y aller pendant un moment, tu vas pas voir combien tu as pendant plusieurs mois et au bout d'un certain temps tu vas te dire tiens combien j'ai sur mon compte Igraal, et là tu vas et tadam, tu vois, t'es content, tu fais un petit virement qui fait toujours plaisir. Et vous allez me dire aussi mais comment c'est possible, comment Igraal peut nous donner de l'argent? What is the question? Tout simplement, en fait, Igraal travaille, est en collaboration avec toutes les marques qu'ils ont sur leur site. Et du coup, quand tu achètes une commande et que tu utilises Igraal, eh ben la marque, les marchands versent une commission à Igraal et Igraal nous verse une commission à nous. Tu as compris? Donc du coup, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde, quoi, tu vois. Je vous ai mis tous les liens en barre d'infos et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez, c'est parti, on commence enfin ce haul. J'ai commandé mes guides, franchement, il y a au moins plus de mois. Donc je me rappelle absolument pas ce que j'ai pris. Commençons par... Enfin, je sais pas par quoi commencer. Allez, on commence par ça. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, c'est un body. Oh maman, le tissu est très épais, dis donc. Oh oui, alors il me faudra un bas. Maman, mais je vais... Pourquoi j'ai pris ça? On va être en été, le machin. Donc c'est un petit body, épaules dénudées. Je n'ai plus besoin de le préciser maintenant. Est-ce que j'ai pris un bas? On va le mettre de côté, ça, pour voir ça. Alors déjà, je vois que c'est en taille petite. Hein. Donc c'est un pantalon. Il est vachement... Oh, ça y est, je me rappelle. Tu vois la poule qui s'éclaire? J'ai eu ça dans ma tête, quoi. J'avais pris la... Ouh! Qu'est-ce que c'est que cette odeur? J'ai l'estomac fragile, faut pas me faire des trucs comme ça. Hein. Vraiment, ça pue de ouf. Oh, j'ai fourmi. Je saurais pas décrire cette odeur. Ventilation. Non, c'est affreux, bref. Commençons par ce petit haut, très joli, écoutez, rien de spécial comme je voulais. Ce que j'aime, c'est que genre, tu peux lever les bras, ça bouge pas quoi, donc ça c'est plutôt cool. Et le pantalon, écoutez, j'aime beaucoup, franchement, attendez, je vais un petit peu baisser la caméra. Il faut encore la baisser. Le pantalon, j'ai pris taille petite, j'ai bien fait, il m'arrive, nickel. J'aime beaucoup cet effet, est-ce que vous allez le voir, cet effet de petite bande ici. Il fait un joli fessier, donc ça va. J'ai pris la veste assortie. C'est un ensemble de costumes. Et du coup, j'ai pris le haut. Et il me semble que j'ai pris ce petit haut pour mettre avec. On va ouvrir, on va voir. Waouh! Là, j'ai osé. Franchement, c'est pas dans mon habitude de porter des trucs comme ça. Mais le motif, franchement, le motif, il est magnifique, ma chérie. Hein. Donc, on va essayer ça. Et en même temps, donc, la veste assortie au pantalon. Waouh! On a les petites... épaulette à l'intérieur, très jolie, et je pense que franchement là l'ensemble ça va envoyer. Ah, moi vous savez les hauls, je suis surexcitée, tellement je suis contente. Hein. Ah, oui tout à fait, un instant je vous prie. Est-ce que vous avez dit à monsieur Smith que le rendez-vous de demain sera déplacé? Très bien merci, et dites à madame Johnson aussi de passer demain. Oui monsieur Gray, je suis tout à vous. Je pars dans le délire moi à chaque fois. Alors plus sérieusement, je m'attendais pas trop à ça. Enfin, on va commencer déjà par la veste. Bon là je l'ai fermée pour faire style, hein, bien sûr. Elle est vachement grande quoi, tu vois. Bon déjà faudrait voir au passé, ça serait un petit peu mieux. Si ça fait joli quand même, attends, on va parler du haut direct parce que vraiment c'est le coup de cœur de l'année. J'ai mon épaule qui a craqué. Je l'adore, les filles, il est magnifique. Alors déjà ce que j'aime c'est qu'on n'est pas obligé de mettre des soutiens-gorge puisque ça, tu vois, tu peux régler la taille et ça fait soutif. Ça te les tient. Et en plus, je trouve que ça fait un effet volumineux.
Ensuite, voilà, je l'ai rentré, je préférais, mais ça fait voilà un effet corsé comme ça. C'est vraiment très joli, hein. Il est magnifique. Il est trop trop beau, quoi. J'adore. Allez, passons à la suite. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est archi froissé. Bah, c'est une... J'ai pas un bain pour mettre avec ça. J'ai pas envie de l'enlever, ce haut. Bon, tant pis. Donc, on va essayer tout de suite cette combi qui, je pense, est très jolie. Bon, elle est assez fine. Ça, c'est très pour été, playa. Bon, cette petite combi. Ça, c'est le genre de truc que je mettrais pour aller à la plage avec le maillot dessous. C'est pas du tout épais, quoi. Prochain article. Combinaison. Je me rappelle pas du tout avoir pris ça. Eh ben, écoutez, c'est plutôt pas mal. C'est l'amour à la plage. Ah, ouh, tcha, tcha, tcha. Il met quand même un peu long, hein. Genre, ça touche un peu par terre, quoi. Elle taille assez bien, mais franchement, elle est pas mal. Petit talon ou même sandales, j'aime beaucoup ses formes comme ça, façon. Avec les manches là, ça, le trou, ça donne, ça ouvre, on va dire, ça fait pas trop fermé. Et pantalon large, voilà, ça fait pas de def, parce que moi j'aime pas que ça fait pas de def. Ça fait vraiment droit, large, hein. Non, c'est très bien, très très joli. Et ça, tu vois, quand on est petite, je trouve que ça grandit. Christina, tu m'appelles pour me dire. Allez, passons à la suite, il nous reste donc deux articles. Qu'est-ce que c'est ce truc blanc, ça m'intrigue. Ah, je crois que c'est un haut tout simple, on peut voir. Oui, bon, ça, je vais pas l'essayer, hein. On va voir déjà, on va voir comme ça. Bon, ça m'a pas l'air très transparent. Un petit body blanc, tout simple comme ça. Est-ce qu'il se tache? Oui, yes. Effet côtelé. Et donc, le dernier, bah écoutez, je n'ai pas pris de maillot, tu vois. De toute façon, là, je vais bientôt vous faire un haul essayage avec que des maillots de bain de chez Zafoul. Parce que Zafoul, on en parle de Zafoul ou pas? Ils font des maillots de bain magnifiques. Franchement, c'est sur ce site, t'es là, waouh, oh, waouh, ouh. Et pour tous les goûts, c'est ça qui tue, donc voilà. Mais qu'est-ce que c'est ça que j'ai pris? Un petit ensemble, hein. Ouais, j'aime beaucoup. Oh, franchement, par contre, hein, ça m'a l'air d'être rigigui la pralinette. Enfin, à chaque fois que je dis ça, et après ça va bien. J'adore le motif, j'adore la couleur déjà. Alors, ce petit ensemble, je suis un peu déçue parce que franchement, ouais, c'est bien rigigui la pralinette, quoi. C'est très court. Non, ça a pas l'air court comme ça. Mais si je me baisse, hein... Ah oui, non mais rien que je fais ça, coucou la lune. Pour des photos, ce sera très joli. Je suis dégoûtée quand même. Hein. Pourquoi ils n'ont pas fait un peu plus long? Allez, c'est parti, donc on a fini avec Misguided. Et maintenant, nous passons à ASOS. Et là, franchement, vu la lourdeur, je pense que j'ai pris pas mal de trucs. Ah, ben voilà, c'est là où j'ai pris des maillots. Alors, on commence par quoi? Ben écoutez, le premier qui me vient. Alors ça, je sais pas quoi en penser. J'ai envie de m'emporter, franchement, qu'est-ce que c'est? Rires. Je connais pas. C'est spécial quand même. Hein. Je suis très motif fleur tropicale cette année, j'ai l'impression. Alors là, tu sais que toujours dans mes hauls, il y a toujours un moment où je sais pas. Et bien là, c'est arrivé. C'est ce moment même, hein, je ne sais pas. Je crois que j'aime pas. J'aime bien la couleur, tu vois. C'est très... ça change. Hein. Encore, tu vois, si t'aurais pu faire un truc, tu vois, rentrer. En fait, ce qui me dérange beaucoup, c'est ça, je crois. Qu'est-ce qu'on fait? On essaye les maillots pour la fin. J'ai pris que maillot. Donc celui-là, ben, on va l'essayer tout de suite. Hein. Alors nous avons... La petite culotte, en effet. Bon, ben, ça va être très échancré, hein. Et avec le haut, j'ai beaucoup aimé ces couleurs comme ça. Je suis assez mal à l'aise. Regardez les manches. J'ai pas l'habitude, je peux pas. Oh mon dieu, mais c'est horrible. J'ai écouté. J'ai jamais eu un maillot aussi échancré de ma vie. Ça me stresse, je peux pas. Je me sens trop mal comme ça. Passons à l'article suivant, donc t'es la marque Pretty Little Thing. Ah, je me rappelle, alors ça, ce motif et tout, c'est spécial quand même. Hein. Une petite robe genre collante avec les petits volants. On va l'essayer tout de suite. Eh ben, j'aurais pas pensé, mais j'adore cette robe. La couleur, c'est la couleur. Elle va trop bien et je pense qu'en plus, c'était un petit peu plus bronzé. Aïe, 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 muchacha. Et tu vois, le petit détail que moi, j'aime beaucoup, c'est que c'est pas droit. C'est, tu vois, en forme comme ça. Eh ben c'est beaucoup plus joli je trouve. Je suis trop contente. Oh là là, j'adore. J'ai chaud un peu plus. Je reviens. J'ai acheté ça une blend, je te dis que je vais m'en servir. Hein. Oh 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 oh. Thank you very much. Alors le problème qu'il y a c'est que là ça va bien mais ça s'entend quoi. Si je baisse. Je sens que dalle là. Je sens pas d'air là. Et si je le mettais là, comme ça? Vous croyez que ça va vous déranger le son ou pas? Ah, et si je le mettais là plutôt? Je vais réussir à trouver une solution, ne vous inquiétez pas. Je pense que là c'est la meilleure place, hein. Nous pouvons continuer cette vidéo. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça m'intrigue. Encore Pretty Little Thing. Oui! Alors ça, j'adore. J'ai toujours adoré ce style. C'est le petit t-shirt comme ça, avec la robe par-dessus. Et je kiffe. I am kiffing ça. Même mon personnage d'Animal Crossing est habillé comme ça, donc pour te dire. J'aime trop.
La couleur, franchement, la couleur de ce rose avec le blanc, I love it. La petite fente, tu vois, qui a l'air de rien du tout, mais sans la fente, j'aimerais moins. C'est bizarre, hein? Franchement, j'adore ça avec une petite paire de baskets blanches. Vous l'aurez compris, j'aime beaucoup. Passons à la suite. Alors là, il nous reste des fleurs, des fleurs, des fleurs. Hein. On prend laquelle? Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, un petit crop top, tout simple, hein, noir comme ça. C'est joli, hein, la qualité, j'aime beaucoup. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit bas à essayer avec? On va voir ça, qu'est-ce que c'est? Hein, c'est de la marque Bershka. C'est une petite robe, oh, j'aime beaucoup. Si j'ai rien à mettre avec le petit haut, je ne l'essaye pas. Hein. Il a l'air très bien, hein, franchement. Je ne sais pas comment je l'ai payé, mais la qualité est vraiment très très bien. Hein. On va essayer cette robe direct. Ouh, franchement, j'ai eu du mal à l'enfiler, hein, le machin. Je croyais qu'il y avait une fermeture cachée ou quoi, mais non. Très mignonne, très jolie, j'aime beaucoup. Je sens que je vais la squatter cet été, tu vois. Allez, passons au suivant. Alors celle-là, elle m'intrigue beaucoup. Attendez, c'est quoi cette avis? J'en ai pris deux les mêmes. On va faire celle-là, ça m'a perturbé cette histoire. J'ai pris deux robes. Hein. Petite robe comme ça. Elle a des détails assez chelous. On va l'essayer, elle peut faire jolie. On va voir comment elle taille. Juste avant de seconde, parce que là, tu vois derrière mon dos, là, je suis trempée. Je vais attacher mes cheveux. Voilà. Oh mon dieu. C'est très bizarre en fait. C'est très bizarre. Elle est pas moche quand même, hein. Franchement, c'est possible que je la mette quoi. Mais c'est pas genre dans un magasin, je l'aurais essayé, je l'aurais pas acheté quoi, tu vois. C'est pas un coup de cœur quoi. Bon bah écoutez, on va essayer la dernière robe qui est en double du coup. Alors c'est de la marque Pull&Bear. Et franchement, Pull&Bear, il m'espante. Parce que je trouve que les prix sont pas excessifs, tu vois, pour une marque. Tu sens que c'est de super qualité et pas pour trop cher. Donc hâte de la tester cette petite robe parce que je pense qu'elle va bien aller. Oh my god, je l'adore. Mais je crois que je vais même garder la deuxième, tu sais, au cas où s'il lui arrive un truc, ben j'aurai une deuxième quoi. Parce que franchement, j'aime tellement. Elle est trop agréable à porter, tu vois, elle est fluide. Et ben nous finissons ce haul en beauté, j'ai envie de dire. Je vous laisse, n'oubliez pas que je vous ai tout mis en barre d'infos, tous les liens des articles, aussi le lien d'Igraal. Il faut que vous cliquez sur le lien pour avoir 10€ au lieu de 3. Je le rappelle au cas où parce que c'est quand même une bonne offre. Je vous fais plein de tous énormes. Gros bisous et on se dit à la prochaine. Ciao ciao.